C'est émission solidaire d'abord, sur fréquence 7, pas pareil, différente et tout ça. Et aujourd'hui, c'est un peu, pour moi, c'est un petit peu difficile parce que on va parler de plein de choses. Hein. On va parler de Gaza, on va parler de l'information, de la désinformation, on va parler de la FNSEA, on va parler de l'éducation nationale. Il y a un feuilleton avec l'éducation nationale. On va parler de l'IVG, on va parler de la 69. J'espère qu'on aura le temps aussi de faire un tout petit point sur Saint-Pierre de Colombier. Mmh. Mais avant tout, j'ai une très mauvaise nouvelle. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une nouvelle même qui me touche fort. C'est que Jean-Louis Chopy est décédé cette semaine, donc le 8 mars. Et donc, Jean-Louis Chopy, c'était quelqu'un qui a été important pour l'émission Solidaire d'abord, puisque quand ça s'est créé, on était trois, et Jean-Louis était un peu le cœur de l'œuvre, on va dire. C'est-à-dire que à la fois, il était capable d'arriver à composer quand même, même s'il avait du mal, hein, avec un Jean-Claude Cordier qui, lui, était très, très PC, on va dire. Jean-Louis, lui, était plutôt écolo. Mais Jean-Louis était à la tête de plein, plein de combats. Hein. Il a été sur les gaz de schiste, il a été quelqu'un qui était cheville ouvrière sur le traité constitutionnel européen. C'est lui qui a éclairé plein de gens dans le coin sur ce traité constitutionnel quand il était en train d'arriver. Si on s'y est intéressé, c'est grâce à lui. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un, en plus, cette humanité qu'il avait, cette intelligence, il était là de tous les combats. Et voilà. Je ne sais pas comment dire à quel point il va manquer. Moi, je sais que pour moi, je le garderai toujours dans ma tête, il ne partira jamais. Non, je te retiens, je te laisse pas partir, tu partiras pas. Non, voilà, c'est quelqu'un de vraiment très important. Excusez-moi d'avoir pris la parole aussi longtemps, mais pour moi c'était important de le dire. Le premier sujet dont on voulait parler, donc oui, tu peux mettre un extrait de la voix de Jean-Louis, s'il te plaît, excuse-moi. Un jour quand même, ils ont passé, je sais pas sur quelle chaîne ils ont passé, pas sur une chaîne, on n'a pas la télé, non. Mais en radio, on a eu le discours de Chirac, à un moment où il a dit le travailleur français, ne pas supporter l'odeur, etc. Ouais, le bruit et l'odeur, oh, c'était vachement mieux. Il y a des conneries, même vis-à-vis de lui, même. Oui. Donc on voit bien Jean-Louis, très humaniste et très, très, très ouvert à tous. Voilà, citoyen de la Terre, quoi, hein, avant tout. Et là, ça apparaissait dans ce qu'il disait sur Chirac et son bruit et l'odeur. Voilà. Donc oui, première partie d'émission, ça va être sur Gaza. Mais en fait, ça va être un peu spécial, on va pas vraiment en parler, on va écouter des gens qui nous en parlent. Entre autres, Amélie, c'était toi qui nous avais envoyé un monsieur Chapoutot qui était interviewé par Berruyer sur Élucide. Hein, tout à fait. La chaîne Élucide que d'ailleurs je vous recommande. Hein, il y a toujours des choses vraiment passionnantes. Voilà. Et donc il y a un petit extrait de Chapoutot en train de nous parler de plein de choses sur l'extrême droite, entre autres. Alors, vous avez rappelé qu'actuellement, il y a un mouvement qui voit l'extrême droite s'implanter de plus en plus fortement dans le continent européen. Est-ce qu'on la comprend mieux à l'aune du nazisme ou est-ce qu'il y a un phénomène assez nouveau, une nouvelle forme d'extrême droite ? Les extrêmes droites européennes, elles sont issues de sédimentations successives, historiques, hein, dans lesquelles, évidemment, le fascisme et le nazisme jouent leur rôle. Mais pas que les extrêmes droites occidentales, d'ailleurs. Hein, moi, je suis toujours assez médusé de voir que l'extrême droite israélienne, par exemple, dont Netanyahou fait partie, hein, valorise beaucoup le régime fasciste mussolinien, mais aussi le régime nazi. Ce qui induit, de la part de Netanyahou lui-même, en tant que chef de gouvernement et chef de parti, un révisionnisme
sur le nazisme qui confine au négationnisme, parce que c'est quelqu'un qui va vous expliquer assez froidement que Hitler n'a jamais voulu tuer les Juifs, qu'au fond il était très gentil, que c'est un arabe, en l'occurrence le grand moufti de Jérusalem, qui lui a soufflé l'idée de la solution finale. Bref, ce genre de d'ânerie, mais c'est très révélateur du fait que quand on est d'extrême droite, on a quand même une dilection, si vous voulez, une affection, une tendresse, hein, pour... Il y a une internationale de l'extrême droite aussi. Mais absolument, une internationale noire qui existait déjà dans l'entre-deux-guerres. Voilà. Alors, hein, Amélie, tu nous fais découvrir ce chapouteau, c'est parlant. Hein. Ce chapouteau qui est vraiment brillant et qui trace, qui dessine vraiment une espèce de carte presque du monde, hein, de l'extrême droite. Et moi, je vous recommande vraiment d'aller voir cet épisode-là. Donc, c'est sur la chaîne Élucide. Et il a écrit aussi le livre, enfin plusieurs ouvrages, mais Libre d'obéir. Oui, par exemple. Par exemple. Ouais. Alors, il y a aussi un autre extrait qu'on aurait bien écouté. C'est cet extrait où, alors, je sais pas exactement moi, j'arrive pas à vraiment situer ce monsieur. C'est des Juifs de France pour la paix. Hein. Alors, si tu peux nous mettre cet extrait. Donc je parle aujourd'hui pour l'Union juive française pour la paix. C'est une association française qui porte une parole juive contre l'apartheid, contre la colonisation, et une parole juive antisioniste. On n'en peut plus que notre histoire, que celle de nos ascendants, de nos survivants, soit instrumentalisé en permanence pour couvrir la colonisation, l'apartheid et le génocide, on n'en peut plus. Et donc on dit une chose qui est très simple, qui est que nous refusons que cela se fasse en notre nom, que nous ne nous reconnaissons aucunement dans l'État d'Israël qui se prétend l'État des Juifs, l'État de tous les Juifs, et qui en plus du coup fait de nous des étrangers partout dans le monde. Nous refusons ce que nous voyons aujourd'hui en France, c'est-à-dire une tentative de réduire au silence, de disqualifier, de calomnier n'importe quelle parole qui fait entendre un tout petit peu d'humanité envers les Palestiniens et les Palestiniennes, en leur accolant le qualificatif infamant d'antisémite. La LFI, tous les jours, sur tous les plateaux télé, par le gouvernement, est accusée d'antisémitisme parce qu'elle est engagée dans la solidarité avec le peuple palestinien. Le NPA est poursuivi en justice. La principale association féministe nationale qui existe en France est aujourd'hui menacée d'être privée de ses subventions parce qu'elle n'a pas tenu le discours attendu par le pouvoir. Honte aux partis dominants en France, honte aux États-Unis, honte à l'Union européenne qui savent, qui voient, qui constatent et qui sans arrêt nous mettent des rideaux de fumée pour justifier l'injustifiable. Donc voilà, mais surtout, moi ce qui me semble très intéressant aussi, c'est qu'il parle de la désinformation en fait, du fait que notre information, nos infos nationales ne traitent pas de plein de sujets. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Ne traitent pas de plein de sujets, ou alors traitent de sujets annexes pour occuper le terrain médiatique et occulter les sujets importants, ou alors... tord les mots de façon à ce qu'on ne puisse plus penser ni réfléchir correctement aux événements, notamment par exemple quand on se fait traiter d'antisémite, quand on porte un jugement sur l'action d'un gouvernement, c'est vraiment d'une malhonnêteté intellectuelle terrible, ouais. Parce que l'antisémitisme c'est un racisme. Le racisme, c'est la haine d'un peuple. Et quand on porte un jugement sur l'action d'un gouvernement, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est vraiment très, très, très malhonnête. Non, oui, voilà. Oui, et puis nos radios, je crois, sont aussi, il ne faut pas l'oublier, de plus en plus des propriétés privées d'oligarques. Hein. Oui. Donc, elles diffusent plus une propagande que de l'information. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. On se retrouve face à quelque chose qui est grave. Hein. Ben, disons, ça fait froid dans le dos, hein, parce que la propagande, ça nous rappelle quand même un petit peu... Une sale période, voilà. L'attraction, ouais. Le chapeau et le ciré. Et tout donc... est en demi-teinte, tout est flouté, tout est... C'est marqué information.
Donc tu vas là, tu penses que tu as de l'information, mais en fait, C'est de la propagande. C'est de la propagande. Mais on peut se renseigner, hein, et on se retrouve aussi avec Reporters sans frontières, par exemple, qui fait un reportage sur le système B. Alors je vous laisse chercher qui peut être le système B, mais on se retrouve avec des choses très très qui mettent très 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 mal à l'aise parce que les journalistes sont attaqués et même à la limite ce que je suis en train de faire en disant ça, je peux être attaqué pour avoir osé parler du système B. Donc ça va loin, quoi. Hein, et on se retrouve avec quand même une collection extrêmement grande de médias qui sont détenus surtout par trois oligarques. Hein, alors bon, ça va de CNews à Canal, à TF1, à LCI, BFM. Et on voit bien que c'est ceux qui cherchent à faire la paix en France. La paix entre les différentes parties qu'on peut avoir. Et évidemment, avec de la presse papier aussi, quoi. Hein. Et c'est très très grave parce que on n'est plus en démocratie, on est en médiacratie. C'est-à-dire que on se retrouve avec les gens qui vont voter à des moments quand même. Et quand ils vont voter, est-ce qu'ils sont libres vraiment de leur choix à partir du moment où les informations sont quand même... Le cœur du réacteur de la démocratie, c'est la conscience de chaque citoyen. Donc si les citoyens sont manipulés, il n'y a plus de démocratie. Voilà. Oui, c'est une vraie question. C'est une question gravissime. Ouais. Oui, et puis la démocratie, c'est permettre, disons, la différence, hein, permettre une pensée différente, hein, acceptée. Alors c'est difficile, hein, je crois que c'est difficile pour tout le monde, hein, parce qu'on aime bien quand les gens pensent comme nous. Mais la démocratie, c'est ça, c'est cette tolérance, accepter, écouter, partir du principe que l'autre ne raconte pas forcément que des sottises, être ouvert, sans forcément accepter ce qu'il nous dit, mais qu'il y ait une place, disons, une place pour la différence. Alors, on se retrouve quand même avec tout ça, ça conforte K1KA, le fait que les actionnaires se retrouvent avec 100 milliards de bénéfices engrangés en 2023. Ça fait beaucoup de... Tout va bien pour les riches. Mais, oui. Mais en fait, c'est quoi un riche ? Ah, un riche, c'est qui sont-ils ? Où résident-ils ? Comment vivent-ils ? Eh bien, les capitalistes, ce sont les détenteurs de titres de propriété. Qui sont aujourd'hui généralisés à tous les communs. Et oui, ça paraît curieux, mais la santé, l'éducation, l'information. Et c'est ce que l'on appelle la phase néolibérale du système capitaliste. Alors il n'y a pas qu'une forme de richesse, hein, qui rentre en ligne pour définir la grande bourgeoisie. Il y a bien sûr la richesse économique, qui est la condition nécessaire, mais pas du tout suffisante pour faire partie du Gotha. Il faut qu'à la richesse économique s'ajoute, s'incruste, s'enchevestre, s'encastre la richesse sociale. C'est-à-dire avoir beaucoup d'amis au sein de cette classe sociale et de manière internationale. À ces deux richesses économiques... Internationale, donc il y a une internationale en fait, finalement. Hein. Oui, mais c'est peut-être pas tout à fait la même internationale. On va dire plutôt une mondialisation. Ouais, d'accord. À ces deux richesses économiques et sociales s'ajoute la richesse culturelle. Le monde des grandes fortunes, c'est le monde des collectionneurs d'art, des mécènes, des ventes aux enchères. Une dernière richesse s'ajoute, c'est la richesse symbolique. C'est-à-dire celle qui va venir symboliser toutes les autres formes de richesse par un travail sur les corps, grands, effilés, sculptés, un travail aussi sur l'habitat. Ils habitent des maisons, des belles maisons, des châteaux, des hôtels particuliers, des monuments historiques, des jardins remarquables. Je te coupe, comment c'est sélectionner les corps ? Alors sélectionner les corps, eh bien, il y a déjà une très bonne alimentation, et puis au niveau de l'éducation, se tenir droit, faire de la gym, qu'enfin ils ont le temps quand même d'entretenir leur corps, donc ils n'ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire.
les symboles de, qui vont distinguer la supériorité des rapports aux autres. Alors, c'est un tricotage entre, pour ceux qui veulent, disons, travailler cette chose et aller un petit peu plus loin, des théories entre de Marx, la théorie de l'exploitation, et de Pierre Bourdieu, la théorie de la domination. Ça aide à comprendre le mystère du passage de la domination économique à la domination symbolique, mais aussi la compréhension par les dominés, parce qu'il faut bien que les dominés comprennent, afin qu'ils reconnaissent et surtout qu'ils acceptent, c'est ça la difficulté, comme une évidence que les détenteurs de titres de propriété dominent. Alors c'est quand qu'on commence à être riche ? Il y a un montant ? Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de définition de seuil de richesse possible. Le dernier palmarès de la revue Challenge de juillet 2023 révèle que la première fortune de France, qui a été à une époque la première du monde, hein, Bernard Arnault, LVMH, hein, représente 860 fois la 500e fortune du palmarès de Challenge. 860 fois, cela n'existe pas dans le monde des classes moyennes ou des classes populaires. Exemple, impossible d'avoir un ouvrier qui gagne 1300 euros, alors que son collègue à côté gagnerait 860 fois plus, c'est-à-dire 1 118 000 euros. Non, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. La classe des super-riches est une classe extrêmement hétérogène sur le plan économique. Les statisticiens de l'INSEE proposent d'ailleurs un seuil de pauvreté, hein, mais pas un seuil de richesse. Et ils se cachent, les riches ? Alors, est-ce qu'ils se cachent ? Eh bien, oui, ils se cachent parce que pour assurer leur impunité, hein, essentiellement. Leurs richesses insolentes sont une forme de violence de classe épouvantable quand on n'arrive pas à finir les fins de mois, quand on dort dans la rue ou qu'on est souvent mal logé. Et l'unique cause, c'est le système capitaliste qui permet aux détenteurs de titres de propriété d'exploiter toutes les formes du vivant, les humains, les animaux et la nature. Là, ça me fait penser à quelqu'un qui... Ça va suivre, hein. On va parler de la FNSEA et d'Arnaud Rousseau. D'accord. Cet arbitraire doit être caché, masqué, car il est fragile. Et les super-riches en sont très conscients. L'esclavage a été aboli, le colonialisme a franchi, et le capitalisme peut aussi disparaître. Donc ils sont très conscients de cette fragilité. Ils savent qu'ils doivent, dans tous les instants de leur vie, être supérieurs aux autres. L'éducation, c'est l'atelier de la fabrication des bourgeois. Dès l'enfance, ils apprennent à leurs enfants d'avoir un corps de classe fin, redressé, qui manifeste une supériorité existentielle, à contrario avec le dominé, qui a un corps usé par des mauvaises conditions de travail, d'alimentation, de logement. Et par ce travail de classe, ils arrivent à transformer les privilèges sociaux en qualités naturelles, potentielles, innées, et l'on voit comme une évidence, une position dominante, d'où l'expression de Paul Pasquali, l'héritocratie, qui montre bien le lien entre héritage et méritocratie. Les super-riches démontrent qu'ils méritent, qu'ils sont les premiers de cordée, comme le dit le président adolescent caractériel Macron, et pire encore, avec son insolence perverse lorsqu'il parle des quais de gare, où l'on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Alors tout ça, tu l'as tiré de Pinson-Charlot, hein, oui, c'est ça? Oui, Pinson-Charlot. Monique Pinson-Charlot. Et alors, et tu parles aussi du capital culturel, non? Alors, le capital culturel, oui, je dois bien parler. J'ai posé la question trop tôt. Je sais plus. Je dois bien arriver à retrouver le capital culturel, mais je peux parler des écoles. Oui. Écoles privées, écoles publiques, ils s'en foutent. Hein, oui. Pourvu que, de toute façon, ils aient l'excellence. C'est ça qui importe. D'accord. Pour eux. Ils veulent l'excellence pour leurs enfants. Il faut le meilleur pour leurs enfants, car ils sont toujours dans la synthèse de leurs propres intérêts de classe. Pour les adolescents, il y a une spécificité que je trouve intéressante. Hein, ce sont les rallyes, qui sont une sorte de cercle, ah, oui, pour les jeunes. C'est un cercle, oui. Voilà. Alors pour, Ils se retrouvent. Faire retrouver les jeunes pour partager ensemble des activités culturelles, l'apprentissage des jeux de société, essentiellement le bridge, et apprendre à danser pour pouvoir en finalité vivre de grandes soirées dansantes mondaines. Ah. Et apprendre, et là, asseyez-vous bien, apprendre à reconnaître le dissemblable et être attiré uniquement par le
semblables. Alors là, tu nous scotches sur les riches, mais est-ce que tu sais que dans ce que je disais tout à l'heure sur tout ce qui était les médias d'une manière générale détenus par des oligarques, eh ben en fait il y a un truc que j'ai mal dit, c'est que normalement même la télé, la radio d'État se retrouve petit à petit aussi gangrénée par un mieux-disant ou par un macron-disant, on va dire. Hein. Mais quand même là-dedans, on se retrouve avec Complément d'enquête qui nous a fait un truc sur la FNSEA. Alors aujourd'hui, on va pas avoir le temps de le développer parce que le temps avance et qu'on va se retrouver vraiment trop court. Mais enfin, le monsieur qui s'appelle Arnaud Rousseau, qui est à la tête de la FNSEA, dans ce complément d'enquête, il lui taille un short. Mais alors, attention les vélos, hein, c'est quand même un joli joli short. Alors on se retrouve avec l'éducation nationale. Tu voulais pas faire continuer sur le... Oui, ben en ce moment, il y a des vidéos qui circulent sur Internet, sur YouTube, de gens qui filment leurs établissements scolaires, et notamment des établissements scolaires du 9-3 à Saint-Denis, où on voit des conditions de travail et d'études pour les enfants qui sont mais lamentables, avec des rats qui circulent, des murs imbibés d'eau complètement insalubres, des plafonds complètement écroulés. Voilà, et c'est vraiment, quand on voit ça, c'est tellement triste. Et puis c'est tellement révoltant aussi, parce que on garde toujours en tête l'établissement des enfants de Madame Oudéa Castéra, oui. Stanislas. Alors là, c'est tout un autre monde, un autre univers. Mais pourtant, c'est le même univers que Pécresse, ça, non ? C'est le même univers, c'est la même région. Bah, pourtant, hein, et ouais. Ouais. Donc j'essaierai de faire une étude sur comment sont financés les uns et les autres, et je vous en reparlerai. Ouais. Alors, on voulait faire un tout petit point sur l'IVG aussi, parce que, voilà, on nous explique que la Macronie, ouais, les cocoricos, le premier pays du monde qu'il a inscrit dans... Hein. C'est bien que ce soit inscrit dans la Constitution. Bien ça, sûr. On ne peut pas le nier. C'est quand même une grande avancée. Mais il reste encore la question de la possibilité, sur le terrain, de pouvoir accéder... 130 centres IVG qui ont fermé dans les 15 dernières années. Voilà. Pas mal, quand même. Et des hôpitaux tellement surbookés qu'on a du mal à accéder au bloc opératoire. Enfin bon, voilà. Donc il y a encore du travail à faire. Et puis les fachos, l'extrême droite, Action Française entre autres, qui va taguer, qui va même aller mettre des trucs sur une statue de Simone Veil. Tu vois, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, quand même. Hein, voilà. Je voudrais rappeler quand même que l'IVG, c'est une liberté. Et que en rien ça n'oblige qui que ce soit à prendre cette décision. Et donc quand on est contre l'IVG, bon, on peut très bien s'abstenir de faire appel à l'IVG, mais c'est pas pour ça qu'on doit aller empêcher les autres ou faire pression sur les autres pour que ça n'existe pas. Mais les gens d'extrême droite te diront que c'est des assassins, que c'est des assassinats, et que c'est le premier meurtrier de France. Enfin bref. Accepter des choix différents. Sur la 69, alors tu voulais nous parler de la 69. Bon, alors rapidement, parce qu'on a très peu de temps encore. Donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais donc il y a des gens qui sont installés sur le chantier de la 69, hein, des militants. Il y a des gens qui... pour protéger des arbres dans une zone à fort intérêt écologique, ils se sont installés dans des arbres, ça s'appelle des écureuils. Ils s'appellent eux-mêmes des écureuils. Et donc, la police est venue, la gendarmerie et les CRS sont venus pour les déloger. Et donc, ils ont utilisé des méthodes quand même assez étonnantes, on va dire. Donc, violentes. Ils ont empêché le ravitaillement en eau et en alimentation, pendant de nombreux jours. Ouais. Les ont empêchés de dormir. Ils ont enfumé avec des choses, et donc ils ont allumé des feux au pied des arbres avec des choses qui pouvaient être toxiques. Et donc, à la suite de tout ça, il y a eu aussi... C'est presque Navalny, là, ce que tu es en train de nous expliquer. Là. Hein, on n'est pas loin. Hein. Ouais, en tout cas, il y a eu une plainte qui a été déposée auprès du rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement. Et donc, ce monsieur est venu, il a fait un rapport qui est accablant pour les autorités.
Et je ne sais pas si j'ai le temps de développer, peut-être pas, tu voulais parler un peu de Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Mais c'était Alain qui voulait en parler un petit peu. Non, je me dis simplement qu'il va falloir, disons, qu'on en parle, quoi. Oui. Et puis même qu'on invite peut-être des gens de l'association. Oui, on va inviter des gens de l'association à venir. J'espère ce sujet nous intéresse. Venir, ils n'ont pas beaucoup de temps, je crois. Voilà, alors peut-être qu'on ira les interviewer sur place. Mais c'est vrai que ce qu'on voulait dire, quand même, c'est que le père Bernard se retrouve... Tu sais, c'est le père Bernard. Alors, Père Bernard, c'est un boulanger d'un petit village vers l'Argentière. Il semblerait qu'au départ, c'était un boulanger. Hein, mais maintenant, il n'a plus le statut de boulanger. Hein. Et donc, il est accusé d'abus de faiblesse quand même. Hein. Voilà. Il devrait être jugé en correctionnel à Privas. Oui. Mais bon, apparemment, ça va être vraisemblablement reporté. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi, donc on va essayer de comprendre tout ça. Comment se fait-il qu'ils aient le bras si long, ces gens-là? D'où tiennent-ils leur argent? Ouais. Leur pouvoir, leur argent, enfin, c'est tout ça, on va chercher. Ont-ils des relations avec les riches? Voilà, peut-être. Allez, à bientôt. Bon courage. Au revoir. Au revoir.